Alors vous avez reconnu, je pense, par un premier passage, le Captur Renault. Son design est vraiment agréable à l'œil. Donc avec ces ensembles de pitons composés de deux couleurs, donc Renault propose toute une gamme de couleurs qui permet d'avoir une présentation harmonieuse. De toute façon, toutes ces combinaisons de couleurs, vous pouvez les retrouver sur www.model.fr où il y a plusieurs photos qui montrent toutes ces combinaisons de... Jetons un coup d'œil sur le tableau de bord. Alors dans la voiture, on a à notre disposition plusieurs rangements dans les portières. Et celui que je trouve très pratique, c'est que même à la place du conducteur, on a accès à la boîte à gants qui est sous forme d'un tiroir que l'on tire. Et là, on peut découvrir un grand volume. Autre rangement pratique, carrément sur le tableau de bord. Là aussi, c'est pareil, on peut ranger pas mal d'objets. Il y a un volume assez intéressant. Alors, bien aussi, la tablette multimédia, la Renault AirLink, où on retrouve plusieurs fonctions utiles à la conduite et utiles au confort du pilote et du passager. On trouve bien sûr la fonction radio où on peut aller chercher la chaîne de son choix. Il y a le téléphone, il y a des informations sur le véhicule, il y a des informations sur la navigation. On peut choisir son itinéraire. On a même une information sur les radars, sur l'emplacement des radars. Alors, ce qui est pratique à l'intérieur, c'est sur les chiens, c'est qu'on trouve carrément une housse et à l'aide d'une fermeture à glissière, on peut l'ouvrir, la changer pour aller la laver. Donc là, je trouve ça, c'est pratique. À l'intérieur, donc là, on était sur les sièges. Alors, on a aussi un choix de coloris assez important. On peut donc faire un intérieur clair ou foncé. Et sur les sièges, on a aussi un choix, plusieurs thèmes graphiques. Donc à l'arrière, on est bien assis aussi, donc on peut dire qu'il y a 5 places, oui, on peut dire donc il y a 5 places confortables. On peut même effectuer un réglage, donc ici on a une manette qui permet de régler la position du siège en fonction de sa longueur de jambe pour être en position confortable. Alors je remarque aussi sur l'arrière des sièges avant, on a ce système élastique qui est bien pratique. Rapidement, on peut y mettre différents objets. Alors le coffre est d'un bon volume et il y a une astuce intéressante, c'est-à-dire il y a une plateforme qu'on enlève rapidement. Et alors là, on a un grand volume. La plateforme qu'on a enlevée, on la repositionne rapidement. Autre astuce, si on a des meubles ou autre objet bien encombrant, on peut facilement rabattre les dossiers. Et là, donc, on a un très grand volume. Là, on va effectuer un parcours, d'abord premièrement sur autoroute, après sur petite route. Pour voir ses qualités routières, déjà on peut remarquer que sa position haute permet d'avoir une bonne vue sur la route. Il faut dire qu'on est assis confortablement pour régler au mieux le siège à sa morphologie. On a trois réglages, bien sûr la profondeur du siège, son inclinaison et surtout sa
hauteur qui permet d'avoir une position haute sur la route. Sa conduite sur autoroute est agréable, bien assis. Alors là, donc, on a le modèle diesel qui est de 90 chevaux, d'une puissance suffisante pour avoir une accélération agréable. Donc, on a une bonne visibilité, les rétroviseurs sont bien conçus. On voit le véhicule qui vous double. On a une belle vue finalement arrière, on voit bien ce qui se passe à l'arrière. Donc on peut dire que c'est une voiture qui est confortable sur autoroute. Alors là nous sommes sur autoroute là, donc on s'aperçoit qu'après plusieurs kilomètres, nous sommes au mieux, on est bien assis. Elle est agréable à conduire. Donc, devant moi, j'ai un compteur qui est bien visible. Sur le compteur de gauche, c'est le compte tour. À droite, c'est le niveau d'essence. Et ce qui est bien, c'est l'affichage numérique au milieu qui donne votre vitesse et qui est bien le caractère donc, de ce système numérique. Donc, permet donc, de donner le tir très visible de la vitesse à laquelle on roule. Alors là, donc, de chaque côté du volant, on a deux manettes. Une à droite, donc, c'est une manette qui permet de régler l'essuie-glace et qui permet aussi de... Voilà, on vient voir donc le fonctionnement des glaces, mais aussi donc qui vous permet d'accéder aux informations de l'ordinateur de bord, c'est-à-dire votre consommation, le nombre de kilomètres, enfin tout ce qui est nécessaire comme information. Alors là, je vois qu'en instantané, je suis à 4 litres 1 de consommation. On peut aussi qu'on peut avoir des informations. On peut aussi recevoir des emails. Là, je viens de le découvrir. Donc là, on est accessible donc à plusieurs informations. Alors, donc la manette de gauche, elle est utilisée. Donc c'est pour tous les commandes phares. Sur le volant, on a les réglages pour les limitations de vitesse et aussi le réglage sur la radio. Sa conduite sur départementale est aussi agréable. On va voir, donc on va aborder je pense une partie sinueuse avec de nombreux virages et on va voir sa capacité de tenue. On aperçoit que donc elle demande quand même d'avoir une conduite souple. Hein. Malgré tout, dans les virages, il n'y a pas trop de roulis. Elle accroche bien dans les virages. Alors ici, on arrive dans un autre virage. Autre fonction bien pratique, c'est l'assistance de démarrage en côte. Donc la voiture ne repart pas en marche arrière, donc ça évite justement de reculer et d'aller cogner le pare-choc de la voiture qui vous suit. C'est une fonction bien pratique. Donc autre fonction pratique, c'est la caméra de recul, donc accompagnée donc d'un graphisme qui montre la direction à prendre pour sortir sans toucher quoi que ce soit. Certes, ce n'est pas un 4x4 tout-terrain pour s'engager sur des chemins très rocailleux et très escarpés en montagne, mais par contre, sa garde élevée au sol permet de s'engager en toute quiétude sur des chemins forestiers.
voilà. C'est ainsi que se termine l'essai avec le capture Renault. J'ai apprécié, j'ai aimé son confort de conduite aussi bien sur autoroute que sur route nationale. Je garderai un bon souvenir de cet essai.